ils sont vraiment pas mauvais, hein. Mais sur le sec. En dosant l'accélération, c'est-à-dire qu'au début je mets mi-pédale, ensuite j'accélère de plus en plus fort et j'écrase la pédale vers 5500 tours et ben, ça déclenche un patinage à 160, 170, à 5500, 6000 tours, c'est incroyable. Alors vous allez voir, je suis scotché parce que je suis au taquet, hein, c'est-à-dire que si je monte le rythme, je vais tout droit. Et bah j'ai mon pote qui vient me doubler tranquillou. Du coup là je vais sortir de la piste et je vais tenter de faire un réglage de mon châssis, c'est-à-dire un petit peu plus ramollir l'avant et puis pour faire pivoter un peu plus l'arrière. Putain, j'ai tapé le casque dans le machin, sans déconner. Ouais, c'est chaud aujourd'hui, hein, mon gars. Même avec des roues directionnelles, quand tu vas gratter par une Clio Cup, parce qu'elles ont des pneus qui vont bien mieux que moi, sur la flotte. Ah, c'est frustrant quand même, regarde-moi ça, il force pas. Ah, si, il pouvait avoir un bout sec. Mais je me venge. Il y a un beau parking là, il y a des belles caisses, il y a vraiment tout, de la muscle car, de la GT, regarde-moi ça. Il y a des Porsche, des BM, des tout ce que tu veux, des bouts, mais on se fait chier. Ouais, je viens d'enlever les fédérales RSRR, que j'ai laissé à l'arrière pour dégrader. Je fasse gaffe, alors du coup maintenant le cul a chassé, ah ouais l'avant est... Ah ouais mon avant est... Oh putain. Je venais de retoucher un peu le châssis pour essayer de faire pivoter le cul, bah là il a aucun mal à pivoter. Les temps que les RSRR qui sont à l'air chauffent bien. Une sacrée motricité, ça n'a rien à voir et pourtant il y a une pluie battante, hein. Voilà le bilan sur les pneumatiques. Donc la gomme tendre, elle est à R1, elle est à 0,52 sur le mouillé, ça marche. Tu me saoules mec, tu me saoules, fais chauffer tes pneus, laisse-moi passer.